Regardez-moi ça là. Oh lo 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 lo. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. On est toujours à Nantes. Et alors aujourd'hui, c'est une enseigne qui est très connue, hein, j'avoue. Il y en a qui vont me dire, ah t'es venu à Nantes pour tester ça. Oui, mais je ne l'ai jamais fait dans mes vidéos. Et pourtant, j'y suis beaucoup allé dans ma jeunesse. C'est le paradis du fruit. C'est parti. Bonjour. Donc là on est au paradis du fruit, donc enseigne bien connue. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo au paradis du fruit alors que j'y allais dans ma jeunesse et tout. Ça fait longtemps que ça existe. Ça fait près de 40 ans que existe. À ce point? Ah oui, oui, oui. Ah, je pensais pas à ce point, moi je pensais années 90 et tout. Parce que dans l'enseigne paradis du fruit, il y a le mot fruit et paradis aussi, mais voilà. Donc c'est pas que du sucré. Ce n'est pas que du sucré. Le paradis du fruit, c'est aussi une carte très gourmande avec des plats variés, des assiettes à composer. On est ce qu'on appelle un bistrot primeur avec différents choix. On en a pour des salades, des toasts, des plats bien garnis, savoureux. C'est plutôt healthy rapport aux fruits, mais on peut aussi se faire un truc... Ah non, c'est healthy gourmand, c'est pas healthy maigrichon. Non, c'est healthy, on est bien quoi. On est bien. Voilà. Healthy, on est content d'être là. On est content d'être là, on a le ventre plein, on est heureux après. C'est voilà. Si tous les healthy étaient comme ça, on mangerait que healthy. Alors du coup, il y a des fruits, on les voit dès qu'on arrive là. Là, ici, vous avez la partie bar, donc bar à jus, glacé. On va faire essentiellement tout ce qui est pressé minute, donc jus de frais pressé à la minute à la centrifugeuse. Vous avez aussi la partie dessert, donc petit dessert, petite Yolita avec des petits fruits frais, 0% de matière grasse. Puis aussi des savoureuses coupes de fruits. Alors par exemple, si je veux un jus détox, c'est par ici que ça se passe. C'est par ici que ça se passe. Donc là, on va te faire découvrir ce qu'on appelle les pressés minutes. Donc un premier pressé minute, le carotte détox. C'est quoi la différence entre un pressé minute et quand on dit un jus de fruits? Alors non, le pressé minute, c'est vraiment le fruit pressé à la centrifugeuse, à la minute, à l'instant T. En général, les jus sont déjà pré-préparés. Ah, okay. Donc là, vraiment, tu vas voir mon chef de bar, il va te préparer ça. Donc là, on a vraiment le fruit, il va vraiment se retrouver en liquide. Voilà, okay. C'est ça. C'est direct à la minute, pressé minute. Là, bonjour, monsieur le chef de bar. Alors, on y va. Alors, du coup, comment ça se passe? Alors, carotte, ok. On la met dedans et ça ressort direct. On a les oranges, on a pressé il y a une demi-heure. D'accord, ok, on peut rajouter avec la carotte. À la fin, gingembre. À la gingembre. Génial. Et du coup, là, il va te faire le double force, donc pomme, ananas, basilic. Allez, on y va, les glaçons. Ah, l'ananas, ok. Et un pomme rouge. Et voilà, merci. Et c'est pas tous les jours que vous me voyez boire un jus détox, hein, à la carotte. En fait, faut pas que ça fasse flipper ceux qui n'aiment pas spécialement la carotte parce que c'est le mélange avec l'orange, avec le gingembre qui fait le goût. Et en fait, je sais pas si au blind test j'aurais su qu'il y avait de la carotte. Mais en tout cas, super prêt. Et le simple fait de savoir que tu bois un truc healthy et qu'il te détoxifie, ça fait du bien. Double détox. Et là, celui-ci, c'est surtout double force. Quand la carotte était sympa, c'est vrai que si je dois en choisir un de mon goût personnel, ce sera plus celui-ci. Et le côté double force, dédicace à mon coach. Donc là, je vais vous faire découvrir la planche de pita avec toutes nos pitas, différentes saveurs, du thon, du pastrami, de la dinde, de la tomate mozzarella, du chèvre miel. Donc voilà, différentes saveurs, différents goûts, et il y en a pour tout un chacun. Bon, ça peut se partager à 3, 4, 5. Hein. Là, j'avoue que le problème, c'est que moi, quand je vois une planche comme ça, j'ai envie de tout manger. La suisse, saumon fumé, cream cheese, grand classique. Tomate mozza avec basilic. Crème de thon au citron confit. Dans celui-ci, il y a de la dinde fumée, du cheddar fondu et même de la pomme. Ça passe bien. Et la pomme en plus ramène un petit croustillant. Le mama chicken curry. Pas mal. Donc c'est quoi le mama chicken curry? Poulet, coco, curry, légumes, champignons, okay. Avec légumes. Avec du riz. Voilà. Et ça, c'est le double deli pastrami. Double deli pastrami. Super, bah, je vais goûter celui-ci parce que j'avais goûté. Moi, dans ma période paradis du fruit, oui. Je prenais toujours le Goody Woody. Goody Woody, c'est quoi déjà? C'est avec de la dinde? Alors, donc le Goody Woody, c'est avec du poulet. Et là, du coup, c'est le même principe, c'est le même pain. Mais du coup, c'est pastrami dedans avec du cheddar. Mmh.
ça a l'air pas mal du tout. Et alors le cocktail, ça c'est votre cocktail star. Voilà, le Joséphine Baker, donc du coup menthe passion coco, très onctueux, qui a une texture... Attention! Là la chemise elle était foutue. Ah ouais, donc, ouais faut faire. Comment t'as eu le réflexe de ouf? Oui, oui, oui. Et franchement je te remercierai jamais assez. Elle a sauvé ma chemise quoi. Donc je refais le genre de mec qui est tranquille. Et donc le Joséphine Baker, c'est votre cocktail signature. C'est le cocktail signature, c'est le cocktail qui existe depuis la création. Du coup, mangue passion coco, donc c'est vraiment une saveur un peu onctueuse qui se rapproche beaucoup des smoothies. Voilà, très gourmand, très épais. C'est vraiment une valeur sûre ça. C'est ah ouais. Donc, pour les gourmands, ce qui est cool, c'est que vous avez le pastrami dans le sandwich, mais dans l'assiette, vous avez aussi des tranches de pastrami en bonus pour taper avec vos frites. C'est un bon pastrami en plus, qui est dans le sandwich avec le cheddar. Si vous aimez ce combo pastrami, cornichon, cheddar, franchement vous ne serez pas dépaysé. Hein. Là, je vais goûter le curry quand même. Hein. Poulet, curry rouge, tandoori, lait de coco. Ça j'aime beaucoup. Il est vraiment super bon. Ça pique pas hein, pour ceux qui se demandent. C'est vraiment cool parce que du coup il y a vraiment plusieurs alternatives. Bien sûr, la base c'est les fruits, les jus de fruits plus les desserts aux fruits. Et pour manger salé ou pour prendre l'apéro, il y a vraiment de quoi. Franchement, cool. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Je passe un bon moment. Oh là là. Du paradis, généreuse, odieuse. T'arrives à marcher et parler en même temps. Toujours. Et en tenant le truc. Et du coup, la Yolita mangue miel. Alors Yolita, c'est quoi? Donc le dessert 0% de matière grasse. C'est une glace au yaourt? Voilà, tout à fait. Summer body, hein. Voilà, si vous voulez avoir un corps de rêve, petite Yolita juste avant l'été, c'est toujours là. C'est le secret. Voilà. Voilà. Non mais vraiment, ça c'est des vraies choses, regardez. Le chocolat chaud au milieu, et pour glisser dedans, on a des brochettes de chamallow, on a de la gaufre, on a de la chantilly, et puis bien sûr c'est paradis du fruit, donc il y a des fruits quand même. Regardez ça, fraises, kiwi, pommes, oh là là, il y en a encore de ce côté-là. Bon, la Yolita est en train de fondre, mais regardez, hop, la glace avec un petit peu de mangue. Là on a pris mangue et miel, on peut choisir ce qu'on met en fait dessus, on peut choisir framboise, on peut choisir muesli. Franchement, c'est vrai que c'est super bon. Et mangue miel, ça se marie super bien avec la glace. Et elle a dit que ça, c'est le secret du summer body cet été. Hein. Donc je vais en reprendre encore. Aujourd'hui, j'aurai ma dose de 5 fruits et légumes par jour. Comme j'ai déjà mangé beaucoup de fruits, je vais commencer par la gaufre. Ça, ça va prendre un bon petit bain de chocolat, là, direct. Regardez-moi ça, là. Oh là là là. Et vous pouvez faire un combo, hein. Gaufre, banane, chocolat en même temps. Et comme ça. Toutes les combinaisons sont possibles après. Et la sauce chocolat est super bonne, hein, moi qui suis adepte. Un délice. Je croyais que j'avais plus faim. Mais quand t'as ça qui arrive, en fait, ça repart direct. Bon, et ben, je comprends ce que tu m'as dit au début en disant que c'était healthy, mais que c'était gourmand. Je sais pas si j'étais plus dans la catégorie healthy ou gourmand, ou un peu des deux. Un peu des deux. Oui, j'ai commencé avec le détox, le carotte détox. Voilà, léger, voilà. Et puis et à la fin, la fondue de chocolat, c'était un autre délire. En tout cas, voilà, ouais, fondue de fruits au chocolat. Merci beaucoup pour l'accueil, en tout cas. De rien, c'était avec grand plaisir. N'hésitez pas à revenir. C'était cool, hein, n'hésitez pas. Le paradis du fruit, donc ici à Nantes, il est tout beau, tout neuf depuis quelques mois. Et sinon, vous en trouverez aussi hein, peut-être près un de chez partout vous. Partout en France aussi, hein. On a 30 restaurants. Petite marche digestive dans Nantes hein, pour digérer. J'ai pas le choix. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On Air. À plus, tchao. Ouais, elle connaît. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?